Ça en fait c'est une ratatouille en terrine, c'est l'idéal pour l'apéritif sur des tartines de pain bien croquantes. En fait pour cette recette tu peux utiliser les légumes que tu veux, moi j'ai pris des légumes de saison style courgettes, aubergines revenues à la poêle, des petites pétales d'oignons jusqu'à caraméliser. Et aussi j'ai cuit des poivrons au four avec de l'huile d'olive et du sel, 180 degrés pendant 30 minutes, histoire de récupérer la chair et d'enlever la peau. En parlant de ça, très important, il faut que tu récupères le jus des poivrons qui va te rester sur la plaque. Tu le verses dans une casserole avec une cuillère d'agar-agar, tu fais bien chauffer tout ça jusqu'à avoir une ébullition et tu vas en verser une petite pellicule sur un plat à terrine avec du film alimentaire. Et ensuite, bah, tu commences le montage de ta terrine en mettant tous tes légumes et en n'oubliant pas, couche par couche, de mettre à chaque fois un petit peu de jus de poivron. C'est ce qui va te permettre de lier la terrine en fait et qu'elle tienne bien. La petite astuce aussi c'est de bien la presser, de pas laisser trop d'air à l'intérieur. Une fois que t'es arrivé jusqu'au bout, là tu refermes ta terrine et tu la laisses toute une nuit au frigo avec un poids par-dessus.